Vas-y, je me fais là. Je pouvais pas savoir que... Mais c'est eux, ils m'ont dit faut faire une interview un peu ouverte et tout. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Alors lui c'est Nasdas, Snapchatter numéro 1 en France. Aujourd'hui, j'ai décidé de le pranker. Pour ce faire, on lui a fait croire qu'un gros média allait être présent sur place pour l'interroger sur lui ainsi que son quartier. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que le journaliste est un tout petit peu spécial. Bonjour Nasser, je suis le journaliste du coup, voilà. Simon. Ah, je peux faire Nasdas en direct de chez Brut. Oui, voilà, c'est ça. Mais attends, tu passes avec moi? Oui, je suis la personne du coup qui te... Ah, attends, tu es dans la vidéo. On peut marcher ensemble, etc. Okay. Et tout, voilà. Et qu'est-ce que t'es stressé un peu? Mais tranquille mon pote, ça va bien se passer, je suis là, t'inquiète. Oui. On en a fait plein, t'inquiète. Yo yo l'équipe, c'est Nasdas, en direct du quartier Saint-Jacques, avec le meilleur journaliste de France. Simon, voilà, Simon, en santé, on va poser plein de questions, etc. Et ça... Vas-y, Nasser, tu peux aller te voir un petit café, voilà. Hein? C'est le meilleur, voilà, c'est le meilleur. Et c'est quoi ça? Il me fait trop de peine, voilà, il me fait de la peine, mon triste. Allez, on commence, c'est parti. Attends, il faut que je parle avec les gens qui sont venus me voir de 1000 km. Ah d'accord, ah oui, c'est vrai. Tu vois, t'as les photos un peu comme des rostas. D'accord. Allez, fais la star. Je pense qu'on aura fini avant minuit, de toute façon, ça va. T'as 20 heures? Avant minuit, de toute façon, on aura fini, je pense. Avant minuit? Après, je peux être là, de moi, si besoin. Ouais, mais moi, j'ai des... Moi, je m'en fous, reste avec moi, c'est bon, mais... J'ai ma vie privée un peu, tu vois, Tu vois, je vais te montrer des têtes cramées du quartier. Ça, on appelle ça des chicarios, des têtes cramées. Ah, c'est une tête cramée, du coup? Il parle pas beaucoup. Ah, d'accord, en santé, tête cramée. Ça va quoi? Ça va. Bien, tranquille. Voilà. Remets ton t-shirt. Ça, c'est un ami à moi aussi. Et c'est ouais, c'est comme ça dans les quartiers qu'on dit bonjour. Tu vois, mais nous, c'est plus une, tu vois, parce qu'on se voit tous les jours. D'accord, okay. Allez, on commence l'interview. Allez, c'est parti. Du coup, Nasdas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots déjà? Bah, je m'appelle Nasser, j'ai 26 ans maintenant. Je commence à vieillir et Snapchatter avec 4 millions d'abonnés parce que je filme tout mon quartier, etc. Félicitations à toi déjà pour tous ces chiffres là. Attends, je me rappelle plus de la suite. Ok. Excuse-moi. Ok. En fait, je me demande. Ah oui. Il croyait que je le faisais. Excuse-moi, voilà, souvent c'est une terreur. Chaque fois que je le vois, je suis mort de rire. Ah oui, il est drôle. Ah oui. Merci pour ce fou rire, Isaac. Je vais te donner 50 euros. Merci beaucoup. Du coup, oui. Par rapport à ton quartier, on se demandait qu'est-ce qui fait donc la spécificité, excuse-moi, de ton quartier par rapport aux autres. Genre, ce qui le rend spécifique. Bah, tu vois, on se balade. Je sais pas si dans les autres quartiers, on peut voir des portraits d'enfants, de familles. Il y a deux communautés. Non, t'inquiète. Ça peut être une question un peu assez basique, mais pourquoi est-ce que tu t'appelles Nasdas? Parce que sur Facebook, c'est Nasser Das Algerich. En allemand, Das Algerich, ça veut dire l'Algérien. Et en fait, ben, Nasser Das Algerich, j'ai pu prendre que Nas de Nasser et Das de Das Algerich, ça fait Nasdas, tout simplement. D'accord. Parce que moi, en fait, j'avais pensé à des noms sur le son un peu comme ça. Vu qu'il y a pas longtemps, vous avez fait une OP avec Zeladal. Ouais. Nasdal, qui a la dalle de réussir, en fait, dans la vie. Ouais, non, c'est bien, ça aurait pu le faire, Nasdal. Ouais. Je te jure, tu m'as donné une idée. Oui. Je vais en parler à Zeladal. Il y avait aussi Fort Das, parce que Nas, fort, fort, tu es fort, tu es assez grand et beau. Et Das, parce qu'on reste sur le même Das que tu avais mis à la fin, du coup. Et on oublie carrément le Nas de Nasser. Oui, c'est bon, on oublie. Du coup, voilà. Le casque, Julian. Julian. Oh, Julian. C'est un de mes rêves, ça, de faire ça un jour. Ça, on va te chercher le buggy, si tu veux. Tu veux faire du buggy? Oui. J'ai acheté un buggy. Ah oui? Tu veux faire du buggy? Vas-y, là, t'es derrière, on va te ramener. Regarde juste le tatouage. Juste le tatouage, regarde le tatouage qu'il a, là. Il est pas magnifique. C'est des ailes? C'est des ailes d'un joueur. Ouais, voilà. Ok. Si on peut commencer?
se me demander au fait un truc au la carte que t'as mise me demander ouais. Parce que du coup j'avais essayé en fait de commander un truc et j'ai encore le panier sur moi en fait et ça avait pas marché en fait. J'avais essayé de commander en fait des sauces comme tu peux le voir ici mais ça c'était pas validé en fait à temps. Du coup, tu me demandais mais pas. Mon frère, t'as essayé de commander pour 2000 euros facile. C'était pour faire plaisir à mon ex. Et... Ouais, mais il y avait une tranche, tu vois, il y a eu 2 millions de commandes. Je peux te poser moi quelques questions. Ça fait combien de temps que t'es dans le journalisme? Journalisme? Non, pas la news, le journalisme. Ça va faire quelques semaines qu'on m'a imposé. Je passe un peu très vite, je vous laisse. C'est Amélie en fait. Okay, je vous laisse en trouver. Ah non, c'est quoi ça? Oh là, devenez mon frère. Attends, vite fait mon frère, deux petites secondes. Vas-y, coupez s'il vous plaît. Je l'aime bien, c'est vrai, il est gentil et tout, mais. mais faut pas le laisser seul, il va parler avec des je sais pas qui et tout, voilà. Mais mon frère, c'est compliqué de lui parler, je sais pas s'il va comprendre mon frère. Il est H24 comme ça de vrai. Voilà, il est un peu stressé. Mais ils l'ont vu, oui. J'ai jamais vu ça, la réalité, je l'ai vu. Simon, mais en tout cas, il est gentil, voilà. Hop là. C'est bon, let's go. Tu vois les tags, la team Nasdas, tu vois. Tu peux me faire une photo? Carré. Carré ou alors rectangle. du coup, là maintenant, on va rejoindre les autres, c'est ça. Donc, on voit aussi nous-mêmes après sur les réseaux. Alors attends, du coup là, ils sont beaucoup. Ça, c'est les mariés, c'est les deux mariés. D'accord. Ouais. Salut, ça va? En santé. La femme. La femme, en santé. Elle s'appelle Flavie. Flavie. Flavie, en santé. Ils sont mariés là, il y a une semaine. Oui. Du coup, ensuite. Ils sont belles ces chaussures, bizarre c'est mort, voilà je pense que... Du coup ensuite... Donc je vous laisse vous présenter quelques mots comme ça. Ça va, en santé. Salut, ça va. Tu es à quel âge du coup? 17 ans. 17 ans? 18 ans dans le 5 juillet. Ok, tu es très mignon en tout cas, non, tout petit comme ça et tout. En santé. Tunti du coup, Tunti c'est ça, en santé. Farah. Samos. Ah, je te suis. Attends, on va se poser quelque part. Elle est perdue. Du coup, Samos, alors en santé. Ah, voilà, en santé, c'est un grand plaisir. Tu t'es marié aujourd'hui? Je me suis marié, frérot, je me suis arrangé un peu, mais. Oui. Tu connais, on s'en fout. Hein. On peut quand même aller à la droite, à gauche. On peut s'amuser. Il y a des buts, c'est pour les marquer. Est-ce que ça a sens quelque chose à votre relation? Tu sais combien de temps je la connais? Combien? Ça fait 17 jours. Ça fait pas des années. Ah, ok. Ça fait plusieurs jours en fait. Ah c'est d'accord, tout. Ok. Mais ouais. Vous vous aimez, etc. Du coup. Ah ben 17 jours. Est-ce que t'as des concours, c'est comme ça de drague à me donner. Des conseils de drague. Oui, genre des techniques ou quoi de drague. Ah mec, tu dis quoi? T'as vu là le bateau? Tu vas à la plage, hein? Ouais. Le bateau là, il est à mon oncle. Ok. Tu vas faire un tour, t'as vu, d'abord on va manger un petit resto, tranquille, on se voit ce soir. C'est rien, ça va te coûter 300 euros. Quand t'as fini ta soirée avec elle, tu dis que le bateau n'était pas à toi. Elle va te dire demain je vais faire un tour de bateau, elle va être contente. Parce que moi en fait, il y a une phrase que je dis pas mal aux filles. Tu as eu à fait tomber quelque chose. Elle me dit quoi? Bah c'est mon cœur. Ah là, c'est éclaté ça. Du coup voilà. C'est bien un conseiller. Oui, 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 très bien, allez, très bien, ça passe bien. Vous pouvez vous mettre un peu tous en ligne. Et bien, du coup, c'est en boîte de nuit ou quoi? Et est-ce que du coup le fait que vous soyez ici, est-ce que vous aimeriez un jour aller autre part, vivre autre part ou... Parce en que fait, on se dit que voyager, etc. etc. Tu se connais, Irvana? Ouais, je connais Irvana, c'est... Je suis un petit Zama, un petit Pétou sur le mont Fujiyama. On peut dire en fait que vos soins ont toujours porté leurs fruits. Est-ce que vous pouvez dire que vous faites des meilleurs soins que vous-même? Les meilleurs quoi? Des meilleurs soins que vous-même. Choix. Ouais, on fait des meilleurs soins que nous-mêmes. Par rapport à quoi? Par rapport à, tu vois, sur Snap on était les meilleurs, et bien sur YouTube on va être les meilleurs. Ah, c'est pas mal. Frappuccino, du coup, il est pas là aujourd'hui, on est d'accord? Non, il est pas là. Il est pas là, d'accord. Non, parce que je me dis, bon, s'il vous faut quelqu'un qui rappe, il fait un peu tard. Bon, j'essaye un petit peu, bah, si vous voulez. Tu veux là, comme ça? Je suis avec ma bouche ou pas là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire un... Un petit freestyle comme ça?
On est détente. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire une beat là très vite? C'est bon, t'inquiète, ouais. C'est une beat. Un. Zarif dans la zone, je n'ai pas peur, cocotte. Représente Perchi, ce texte, allez, chocotte. En direct, avec mon gars Frappuccino, même s'il est pas là. Si tu payes pas la location, on va te casser le dos. Je mets mes talents au service de ce rap game. T'es pas content, je te brise les os. Je ramènerai ça à Mos. Je vais percer dans ce rap game, me fais aucun souci. Mon rap est piquant, comme la Harissa, appelle-moi Tunti. Canalise. Je rêve d'aller aux îles Canaries. Mais ce n'est pas ça. Mais c'est l'impro. Car je suis un pro. J'irai jusqu'à Dallas. Pétasse, ramasse, passe à ta place. Je réussirai. C'est bon. T'es très. Il est bon. Il est bon. Attends, il y a Samos là, vite fait. Ok, Samos. Moi, si je suis là, Simon, c'est pour te clasher. Si t'es pas dans ton quartier. On va t'allumer, tu sais pas danser, tu sais pas rapper. Cappuccino il est à Marseille, il veut pas rapper. Le clash, il veut pas le faire, je suis chanté. Je suis là pour danser et pour swinguer. Si j'y vais en boîte, je vais juste faire danser. Ma meuf à moi elle est jalouse, mais je pique toutes les meufs d'ailleurs aussi. Cappuccino. C'est pas la question. Regarde, tu l'as touché. Mais non. Attends. Excusez-moi. Il y a ton boss là de côté. Ok. Oui Simon, c'est Antoine. Donc là je te fais un vocal parce que tu réponds pas à mes appels. Donc j'aimerais bien avoir de tes nouvelles parce que j'ai eu des échos comme quoi ça se passait super mal sur le tournage. Donc à un moment donné, on n'a pas que ça à faire. On nous a déjà fait le coup avec Golo. Golo et Richie, ça s'est super mal passé, donc à un moment donné, c'était viré, c'est bon, c'est terminé. Voilà, on n'a pas que ça à faire de garder des guignols comme toi. Excusez-moi les enfants. Tu dis quoi? C'est bon, t'as un œil con. Oui. L'œil con, faut pas que tu mettes ta main dessus, sinon ça coupe le retour caméra, tu vois. D'accord, j'ai rien compris. Essaye, évite de te filmer toi, parce que tout à l'heure tu mets en avant. Essaye de filmer un peu Nas, là. Essaye de filmer un peu quand il conduit. D'accord. Essaye d'avoir des enfants en c'est bon. 3, 2, 1, c'est parti. C'est un plaisir, surtout que là, c'est le dernier moment que je passe en tant que journaliste, là, je pense. J'ai mis un vocal, là, et un appel, et c'est bon. Mais ils t'ont mis quand? Ils m'ont appelé, là, il y a pas longtemps, quand vous étiez ensemble. Et Antoine, je vais l'appeler, là, t'étais malade ou quoi? Merci beaucoup. J'ai jamais d'avis, mon frère, voilà. L'interview, il est hyper bien. Merci beaucoup. C'est hyper propre, ce que tu fais, voilà. Là, on va faire une vidéo sur mon snap, on va dire que l'interview, c'est hyper bien passé. Merci beaucoup. Pendant qu'on est en plein tour de buggy, Anas, mon manager, va parler avec l'homme masqué, manager de Nasdas, et le mettre dans la confidence du prank. Il lui expliquera donc que le reportage s'est pas déroulé comme prévu, car j'aurais, entre autres, manqué de respect à Nasdas et sa team. Celui-ci va donc m'attendre à notre arrivée. Hein ? Oui. Moi ? Attends une seconde, je vais sortir. Pour l'interview ? Ouais, vas-y. Mais je pouvais pas savoir. Vas-y, vas-y. Je me fais là. Je pouvais pas savoir que. Mais c'est eux, ils m'ont dit qu'il faut faire une interview un peu ouverte et tout. Du coup, ils étaient un peu cool avec eux. Un bon show, quoi. Non, j'ai voulu être un peu cool avec lui, etc. Je voulais être un peu cool avec lui. C'est une caméra cachée depuis le début. T'inquiète pas, je suis pas un mec bizarre ou quoi, t'inquiète pas. Tu sais que tout le tour du buggy, je me dis, je vais appeler Brut, je vais jamais ta vie vous le vider. Elle m'a fait de la peine, là, dans le truc et tout. Et frère, voilà. Ah, mais là, c'est une caméra cachée. Ouais.
je rencontre une autre personne. Mais entre bizarre, il me saoule. Et après j'avais mon côté putain, il fait de la peine, c'est bon, ça fait une semaine sur ton école de journalisme. Il faut lui donner sa chance le pauvre. Et il y a des fois je voulais taper des pourrires, je me disais non, ça se fait pas le pauvre. Merci à vous. Nams. Nams. Nams, c'est ça, Nams. Nams, ouais, c'est ça. Ah bah les gars, applaudissements pour Nams. Ah en fait c'est même pas brut. Mais bien, il